Julie, oui. Divoire, t'es vraiment sûre que la vidéo ne va pas sortir le 1er avril? Oui, la vidéo ne sortira pas le 1er avril, c'est certain. Parce que là, vu ce qu'on va annoncer, ils vont jamais nous croire sinon. Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, on espère que ça va bien. Ça fait 2 ans et demi qu'on parle de loup-garou sur cette chaîne. Ça fait donc pas loin de 3 ans qu'on navigue de sujet en sujet en approfondissant toujours plus les mécaniques du jeu. Ces derniers temps, on a fait le bilan de où va la chaîne, comment est la chaîne, et en fait, on était un peu perdus. Et on a envie de vous raconter quelque chose, on a envie d'avancer, on a envie de créer quelque chose. Et c'est là qu'est venue une petite idée. On s'est dit, c'est le moment. C'est le moment. C'est... ouais. Il nous manque un truc là, il le faut. On a réfléchi à ce qu'on aimait faire autour du loup-garou et on s'est rendu compte qu'avec le temps, on a fini par perdre quelque chose qu'on adorait. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pour le 1er avril, on avait annoncé un jeu du loup-garou la meute. C'était une petite blagounette, c'était assez rigolo. Eh bien, pour faire court, on veut lancer le projet. Ça y est, on va lancer le projet, on va créer un jeu. Loup-garou, la meute, réfléchis. Ah on adore créer des rôles, on a toujours fait ça, on adore créer des mécaniques, on essaye de bidouiller, créer des jeux de société, ouais, etc. Jeux, ouais. On adore ça en fait. On a beaucoup appris grâce à la chaîne aussi, à devoir fouiller différents sujets, on a découvert d'autres jeux. C'est ça, et ouais, il y a plein de jeux qui se sont créés pendant qu'on a grandi finalement. Et il y avait Wolfie, Agro qui se sont créés, enfin bref. Among Us aussi. Among Us. Et ouais, ça y est, on veut créer un jeu. C'est vraiment ce qu'on aime et ça nous manque en fait. Donc cette année, on va régulièrement vous raconter l'histoire du jeu qu'on sera en train de créer. Est-ce qu'on va faire un jeu de cartes, un jeu vidéo, un jeu de société différent vraiment d'un jeu de loup-garou classique? On n'est pas encore trop sûr, mais en tout cas, on va y aller quoi. Du coup, on va orienter, modifier un petit peu le contenu de la chaîne vers la création de jeux. Finalement, on va plus s'intéresser aux rôles, aux mécaniques, l'analyse de choses qui sont intéressantes ou pas dans un jeu de loup-garou. On vous donnera à chaque fois nos avis et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Pour que vous voyez aussi vers quelle idée, quel concept tendra notre jeu. Jusqu'à maintenant, on avait 2 vidéos régulières par semaine. Ça va changer. Il va y avoir 1 vidéo régulière par semaine le samedi, toujours sur des rôles. Donc ça va être de l'analyse stratégique de rôle du loup-garou. Donc ça va être le rôle des abonnés, le Panthéon, mais aussi analyse des rôles de différents jeux, Wolfie, Agro, LGEL, tous les jeux qu'on connaît, Loup-garou UHC, parfois on va peut-être déborder aussi sur d'autres choses comme Blood on the Clock Tower, pourquoi pas, ou Spores, etc. Ou déborder sur des mécaniques, des compos, enfin des choses qui se rapprochent des rôles, mais voilà. Parfois pas des rôles précisément. Pour tout ce qui va être l'aspect analyse stratégique sur le plan psychologique ou alors des conseils OMJ, étant donné que c'est des sujets dont on a déjà parlé, on ne fera plus de redites sur la chaîne, on vous renverra en fiche sur les sujets tout autour de MJ ou d'analyse psychologique. Psychologique, stratégique, etc. À moins que vous ayez des questions auxquelles on vous a pas répondu ou qu'on a une envie du moment, eh bien ça sera l'objet de vidéos qui sortiront plutôt le mercredi, donc des vidéos bonus où on se fait un peu plaisir, on répond à vos questions, exactement. On continue une série qu'on avait laissée de côté et qu'on a envie de continuer. Exactement, le mercredi ça va être aussi pour nous l'occasion de vous proposer des best of live, car pour pouvoir faire un bon jeu, il faut jouer à des jeux pour les comprendre, et du coup on va faire plus régulièrement des lives sur une chaîne Twitch, et du coup, ben voilà, le mercredi, ça sera Best of Live ou autre format. On va essayer des choses aussi, hein. On va vous proposer des nouveautés sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, lien dans la description, évidemment. On en revient un petit peu au jeu, du coup, on n'a pas de date. On lance le projet là, maintenant, en fait. On sait juste qu'une fois qu'on aura quelque chose de très précis et qu'on aura un plan d'action, à ce moment-là, on lancera peut-être un Kickstarter ou quelque chose du genre. Donc, c'est à ce moment-là où vous pourrez potentiellement commander le jeu. Et du coup, même si ce sera pas forcément le nom du jeu, en tout cas on va parler de ce jeu en disant le jeu la meute, hein. Oui, voilà, oui, c'est ça. Dans un premier temps on va dire le jeu de la meute, et puis une fois qu'on en saura un petit peu plus, qu'on aura décidé d'un nom, ben, on vous communiquera le nom officiel et tout ça. Bien entendu, on va faire les choses de façon carrée, on va protéger les marques, les droits d'auteur, les choses comme ça. On est vraiment parti pour faire quelque chose d'ultra sérieux, quoi. Enfin, on va vraiment faire un vrai jeu. Au bout d'un moment, si ça vous intéresse, vous aurez vraiment quelque chose dans la main, enfin en tout cas que ce soit la manette ou une boîte de jeu ou quoi, quoi. Bien sûr, si vous avez des idées pour notre jeu, n'hésitez pas à les poster en commentaire à n'importe quel moment. Oui, on est en train de brainstormer, donc bah voilà, lâchez votre petit com si jamais vous avez envie de nous communiquer des petites idées. Bien entendu, bon, on a déjà des idées assez claires sur certaines choses en fonction du type de jeu qu'on va choisir. On verra bien, de toute façon, on est vraiment là dans l'idée, on va se lancer, quoi. C'est l'histoire qu'on veut raconter sur notre chaîne. Cette année, vous allez voir l'histoire de Raph et Ju qui font leur jeu loup-garou, et on espère que vous allez kiffer. Je kiffe déjà là. Moi aussi. Et le village standard.